qui n'avaient pas de quoi en manger. Et encore pire que le problème de la Casamance. Aller en brousse, les gens avaient peur. Des fois, là où on profitait peut-être pour faire les activités, avoir de quoi en manger, on a peur d'y aller. On pouvait dire tout de suite, ici présent, que si nos vieillards qui étaient morts, un d'eux, apparaissaient aujourd'hui dans nos villages-là, ils vont pleurer parce que la forêt qu'ils détenaient ici n'est plus aujourd'hui. Après, si on n'a pas quoi en manger, les gens sont obligés de s'attacher à la forêt. Voilà que la forêt est épuisée. Nous nous sommes dit, les jeunes du village, il est temps maintenant pour nous de voir qu'est-ce qu'il faut pour nos futurs enfants. Lors d'une première rencontre avec les jeunes du village, même les ressortissants du village, on s'est dit que nous allons occuper une place, que nous allons recevoir, c'était un collègue du nom de Ousmane Colly, c'est-à-dire qui nous a envoyé les premières plantes. Nous avons acheté avec les propres moyens des jeunes du village. Quand on s'est rencontré avec Mohamed, quand je l'ai expliqué, il m'a dit que attends, lui, il a une organisation qui participe dans ce cadre, le reboisement des espèces vitales. C'est en ce moment-là qu'il nous a promis de nous amener des plantes. Il était clair aussi avec nous. Son problème, c'est quand il nous a dit que lui, son problème est que nous arrivons à entretenir tout ce qu'il parviendra à nous donner comme plante. Quand le village a pris cela, ils m'ont dit que même s'il dit que c'est demain, eux, ils sont prêts à accueillir les plantes pour les revoir. On a revoyé. Bon, le partenaire qui nous a parlé est venu. Donc, on ne va pas polémiquer ici. Nous allons voir le site ensemble avec vous. Vous voyez les pieds des espèces qu'on a plantées. Donc si par exemple d'abord l'arbre là, l'anacarde. Les rapalus aiment tout l'écorce de roseaux. Voilà. C'est la sève. Voilà la sève. Pour cela, on préfère ne pas nettoyer les pieds et faire un pare-feu tout autour. Peut-être à la longue, d'ici le mois d'avril, on va essayer de voir même faire diviser encore, faire un crochet qui passe et un autre qui traverse encore. Pour prévenir quand peut-être il y a les feux de brousse qui nous échappent peut-être dans l'autre côté, qu'il n'y ait pas aussi une continuité. Mais maintenant aussi, autre chose que je voudrais, donc nous avons retenu l'espace là. Donc on voudrait vraiment, si possible, si vous pouvez nous aider sur le matériel comme ça pour par exemple le nettoyage, bien quand il y a reboisement, si vous pouvez en avoir, ce serait vraiment... Le matériel c'est des coupes-coupes, des râteaux, des pelles. Comme ça quand il y a travail, pour pouvoir faire le travail.